Les cinq doigts de la main. Découvrons le nom de chacun des doigts de nos mains. Voici l'auriculaire, le plus petit, qui s'occupe si bien de l'oreille, oris en latin. Puis l'annulaire, qui dans certaines cultures porte l'anneau de mariage. Ensuite le majeur, le plus grand, c'est l'axe de référence pour les mouvements latéraux. Sans oublier l'index, qui montre. Et enfin le pouce, essentiel à l'appréhension.